Les Sugars, comment ça va aujourd'hui? J'ai un nouvel exercice de 6 minutes seulement à faire n'importe où, dans votre chambre, dans votre salon, dehors, tout ce dont vous avez besoin, sur un tapis, en tout cas une surface assez éponge derrière vous. Alors, on va faire les exercices pendant 40 secondes chacun avec 15 secondes de repos. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Pour ce magnifique premier exercice, on va s'asseoir sur notre fessier avec les mains au niveau des oreilles. On étend les jambes et on les ramène sans toucher le sol. On étend, on ouvre, on étend, on ramène, on ouvre, on étend, on ramène et on ouvre. Voilà, l'objectif ici, c'est de garder les muscles abdominaux très fermes pour qu'ils nous permettent de rester en place. Si vous n'arrivez pas à étendre vos jambes comme ça sans les déposer au sol, bah déposez-les au sol. Mais ici, le plus important, c'est de se donner du mieux qu'on peut, comme d'habitude. Allez, ça bouge, 10 seconds. ça bouge, on y va. On ne baisse pas les bras, c'est le premier exercice seulement. Il nous faut du punch pour le reste. Wouh! Et c'est bon, un peu de repos. Apprêtez-vous pour les planks. Donc les planks, c'est lorsqu'on dépose nos coudes là, tout plat au sol. Et pour cet exercice, on va renverser les mains Round et ensuite two. Soulever notre corps depuis cette position. On y va, on y va, on y va. Ouh. Ah oui, hein, il faut soulever le corps. Très important, on garde les muscles abdominaux très fermes. On se donne à fond. Super, 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 super. Halfway there. Ten seconds. Allez, plus que 8 secondes. Rest. Ouh, super, bravo. Alors, le troisième exercice, on va se rasseoir au sol et ici, on va rouler vers l'avant et quand on revient, on touche nos genoux avec la main opposée. Round three. OK? On y va. Super, super. Allez, ça fait 10 secondes déjà. On y va, on continue. Super, super, super. Halfway there. Mettez-y du punch dans vos mouvements, très important. Utilisez toute votre force abdominale pour pouvoir vous ramener vers l'avant. Okay? 10 seconds. On y va. On y va. Wouh! Il ne reste plus que 5 secondes. Rest. Wouh! Super! Alors, pour ce quatrième exercice, on va se mettre au sol. On repart un peu dans les positions plank là. Mais là, il s'agit de faire de la course dans la position de plank. Allez, on y va, on y va, on y va. Du punch, du punch, du punch, du punch. Allez, allez, une petite course en plank là pour que nos muscles abdominaux ressemblent à des plaquettes de chocolat du Ghana, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il s'agit ici d'être chocolat. Ouh, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Plus que 10 secondes maintenant. Allez, allez, on met du punch. On met du punch, hein. Allez, on garde les muscles abdominaux très fermes. Rest. Ouh, super. Le cinquième exercice, c'est à peu près la même chose, hein, parce qu'on garde la même position. Mais ici, le mouvement est moins vigoureux. Donc, on va juste ramener les genoux vers l'avant. Allez, on y va. Vers l'avant. Vous pouvez varier les mouvements. Vous pouvez avoir vos pieds en position de spider, d'araignée. Donc, ça, c'est vraiment sur le côté. Ou bien, ça peut aller tout droit vers l'avant. C'est vous qui décidez, hein. Halfway there. En tout cas, l'objectif ici, c'est de bouger ces pieds-là et de garder le dos bien ferme. Super, super, 10 seconds. Plus que 6 secondes. On y va, on y va.
Rest. Woo, you did it. Super, super. Alors, sixième exercice, l'avant-dernier. On se rassoit sur notre fessier avec le cou bien enroulé au niveau de la poitrine là. Round six. Le cou levé et on fait descendre les jambes, on les ramène. Les jambes doivent être tout droites et on utilise les muscles abdominaux pour pouvoir les ramener vers l'avant et aussi pour nous garder en place. Allez, super! Halfway there. Plus que 10 secondes. Wow, you're doing very well. You're doing amazing. Oh my God, oh my God. Super. Rest. Ouh, super, super. Dernier exercice. On garde la même position. Le cou levé, les mains au niveau du fessier. Et ici, on va battre les jambes toutes droites comme ça du haut en bas. OK. Et à la mi-temps, on va les garder élevés. Ouh, allez, c'est le dernier exercice. Il faut avoir du punch, hein. Il faut vraiment y mettre de tout, là. Allez, le dernier exercice. Et bientôt la mi-temps. Préparez-vous pour la mi-temps. Et halfway c'est there. La mi-temps. On ramène les jambes vers le sol sans le toucher. Et on les garde élevés. Super. Juste 10 secondes, là. Allez. You can do it, girl. You can do it, me. Come on now. Yeah. Well done. Bravo. Alors, les Sugars, comment vous avez trouvé l'exercice? Bien, j'espère. On a fini. On se revoit la prochaine fois. J'espère que vous allez apprécier. Laissez-moi des likes, des commentaires. La prochaine.